Bom, então, dando início, finalmente dando início, gente, gostaria de inicialmente agradecer a todos e a todas que esperaram e que estão aqui participando do lançamento do primeiro simpósio internacional de análise fílmica e que estão aqui presentes também para a mesa inicial de diálogos com o grupo do Collimateur, né, da Universidade Grenoble Alpes. Eu, enfim, queria dar inicialmente uma pequena fala. A gente vai fazer um pequeno início, né, uma apresentação do congresso, né? Então, é com grande prazer que a gente dá início aos trabalhos. Enquanto uma conversa de início ou de abertura do Simpósio Internacional de Cinema e de Análise Fílmica, eu gostaria de trazer aqui, ainda que de modo breve, um pouco do trajeto que leva a esse evento, em termos dos pesquisadores envolvidos e também em termos dos objetivos gerais do Congresso, né? Primeiramente, esse simpósio tem relação com um grupo de pesquisa Cinearte, Cinema, Análise Fílmica e Experiência Intelectual. Ao longo da sua existência, esse é um conjunto de pesquisadores que vem se mantendo em torno de afetos, de laços, preocupações, urgências de pesquisa em comum, né? Em particular, duas vertentes de preocupações teóricas. Por um lado, um olhar analítico que parte dos objetos audiovisuais em termos de narrativa, estilo, mise-en-scène, poética histórica ou outras formas de abordagem. E, por outro lado, uma preocupação com a crítica de cinema, bem como suas relações com a experiência intelectual e política no Brasil. A partir desse emaranhado, em diferentes cotejos, esse grupo trouxe à luz diferentes ciclos de debates e publicações. Eu destacaria aqui o Seminário sobre Crítica, Arte e Expressionismo, com o professor Carlos Eduardo Machado, Jordão Machado, em 2018, o Seminário sobre Crítica de Cinema e Política, em 2019, o Seminário de Crítica e Pesquisa em Arquivos, também em 2019, esses dois últimos via SESI, com a organização do Pedro Plaza Pinto, aqui presente também, além da recente publicação do livro Cinema, Estilo e Análise Fílmica, pela APRIS, em 2020, esse co-organizado com a professora Margarida Adamati. Eu gostaria de dizer também que existe aqui um vínculo que, por vezes, extrapola instituições, né? E que vai se transformando por entre as diferentes instituições pelas quais nós, os pesquisadores desse grupo, passamos. Nesse sentido, vale deixar os agradecimentos aos diferentes tipos de apoio, pelos diferentes tipos de apoio dado pelas instituições que acompanharam esse evento e que acompanham, né? Lembrando que essas ajudas dizem respeito à formação do comitê científico, realização de pareceres, colaboração com a divulgação e mesmo a composição do corpo técnico, né? Mas ficam também, sobretudo, e primordialmente, os agradecimentos àqueles e àquelas que se uniram internamente para que esse projeto desse certo, né? Entre os objetivos principais, o Simpósio Internacional de Análise Fílmica propõe aprofundar os intercâmbios de pesquisa centrados na análise fílmica, unindo diferentes perspectivas, desdobramentos teórico-metodológicos e suas apropriações em múltiplas áreas. Em consonância com isso, e trazendo heranças do próprio trajeto do grupo, eu vejo a programação desse simpósio como um sólido conjunto de mesas e conferências, e que pode ser lido também a partir de abordagens múltiplas. Temos aí análise com preocupação imanente, análise sobre o ponto de vista da crítica ou da história intelectual brasileira, análise sobre o ponto de vista do moderno, do experimental, assim como os enfoques sobre o viés do feminino, que são uma frente bastante significativa e que vem crescendo dentro do grupo. Então, obrigado a todas e a todos, e passo a fala à professora Margarida Adamati. É,
Boa tarde ou boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria falar um pouco sobre o que motivou, então, a realização desse congresso. No final de 2018, nós demos início a um projeto editorial chamado Cinema, Estilo e Análise Fílmica, que é o livro que foi a primeira publicação coletiva do grupo de pesquisa CineArte. A ideia era se centrar na análise estilística do cinema, nessa coletânea organizada pelo Fábio Schuh e por mim, que selecionou, então, resultados de pesquisa em torno do cinema brasileiro e dos olhares ao feminismo no audiovisual. Alberio Duque, Pedro Plaza Pinto, Fábio Schoa e Vanessa Colatuzzo compuseram a primeira parte do livro, destinada à história do cinema brasileiro, enquanto Virginia Giangrossi, Ana Paula Zettola e eu escrevemos sobre os trajetos do feminismo no cinema moderno e também no audiovisual voltado ao grande público. O conceito de estilo, tanto na crítica de cinema quanto na análise fílmica, foi o que norteou a nossa busca e a introdução do livro, que traça um mapeamento dessas concepções de estilo, tanto na história da arte quanto nessas conexões com os imperativos de ordem política do cinema brasileiro. Esse texto inicial de introdução do livro, foi publicado em primeira mão na revista Arte e Cultura, em Uberlândia, a convite do editor Adalberto Parranhos, enquanto o livro era confeccionado pela editora Apris, em Curitiba, ainda nos primeiros meses da pandemia do Covid-19. Então, foi essa vontade de continuar o debate e de aprofundar os intercâmbios acadêmicos sobre estilo e sobre análise fílmica que nos motivou a sonhar com a realização desse simpósio. A organização do congresso cresceu tanto e tão rápido que, por enquanto, ainda nem conseguimos lançar o nosso livro. Inicialmente, a proposta era organizar algumas mesas sobre estilo e análise fílmica com convidados, mas no final optamos pela chamada aberta aos pesquisadores. Aposta promissora, que graças à dinâmica do mundo virtual, em meio ao isolamento social imposto pela pandemia, conseguiu expandir-se por vários continentes em pouquíssimos tempos. Recebemos o dobro de inscrições em relação às vagas disponíveis para os 3 dias do simpósio, como a Hanna vai comentar daqui a pouco. As propostas vieram de todas as regiões do Brasil e de países como Argentina, México, Estados Unidos, França, Inglaterra, Turquia, Índia, Portugal e Espanha. Uma média de trabalhos realmente excelentes, o trabalho de seleção foi árduo. Então, aproveitamos o ensejo para agradecer ao comitê científico que realizou os pareceres técnicos, dando preferência às suas pesquisas já consolidadas e que tivessem aderência à proposta do simpósio. Dado o grande número de inscrições e para a gente contemplar o número maior de trabalhos aprovados, a programação do simpósio, como vocês podem ver, ocorre em 2 salas simultâneas e conta com pesquisadores nacionais e estrangeiros oriundos de 38 instituições diferentes, sendo que 19 são de instituições de pesquisa do Brasil e 19 de universidades do exterior. Muito nos alegrou receber essas inscrições de várias partes do mundo, de maneira a permitir conhecer um pouco mais o trajeto que a análise fílmica vem trilhando nas universidades. Dos 4 eixos propostos pelo simpósio, teoria do cinema, estudo de caso, intersecções do cinema com outras artes, olhares e enfoques feministas e, por fim, as interfaces entre política, engajamento e crítica de cinema, chegamos a um núcleo bastante coeso de propostas, que, como vocês vão ver, revela parte da diversidade do quadro atual de pesquisas, seja em torno da cultura afro-brasileira, do pensamento cinematográfico, dos estudos de som, do embate entre a pesquisa e documentação em arquivo, seja de olhares sobre a vanguarda artística, o cinema autoral, o cinema de gênero e as visões sobre o Oriente. Para terminar, eu aproveito esse espaço para agradecer aos 3 programas de pós-graduação que integram a realização desse simpósio: a Universidade Anhembi Morumbi, a Universidade Federal de São Carlos e a Universidade Federal do Paraná. Em especial, eu agradeço pelo apoio restrito e incentivo dos colegas do PPGIS da UFSCar. Meu agradecimento especial à professora doutora Suzana Reck Miranda e ao nosso secretário Felipe Vossich. Agradeço também aos colegas e amigos que organizaram conosco esse simpósio: o Pedro Plaza Pinto, amigo parceiro de quase 2 décadas, a Mariana Dias Antônios, pela dedicação irrestrita em tudo que faz, a Virginia Giangrossi, que
não pôde participar aqui da mesa de abertura, mas é nossa tradutora e designer de todas as horas, a Hanna Esperança, que fez um trabalho impecável, lindo, de arte e divulgação nas redes sociais. Eu agradeço também o trabalho do corpo técnico, composto pela Maria Eduarda Bacelar, o Cauê Soares, o Lucas Rangel e o Murilo Bronzelli. Então, eu passo a palavra para a Hanna. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Hanna Esperança, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em meios e processos audiovisuais da USP e membro da comissão de organização do simpósio também. O nosso trabalho ao longo desses meses foi bastante coletivo. Eu e a Virgínia Giangrossi, a gente dividiu os afazeres da divulgação nas redes sociais, mas o evento ele também foi amplamente divulgado junto às universidades pela equipe inteira. E o nosso objetivo era atingir principalmente a comunidade acadêmica, tanto a nível nacional quanto internacional, para que existisse fundamentalmente uma troca mútua entre as reflexões, entre as pesquisas sobre análise fílmica ao redor do mundo, e que também fosse possível construir um evento bastante rico, bastante diverso, tanto em relação aos vários idiomas que hoje já o constituem, né, como também a cultura cinematográfica e acadêmica. Então, nesse sentido, o nosso material para chamada de trabalhos foi produzido a partir de quatro línguas, né? O português, espanhol, inglês e francês. E a gente recebeu propostas em todas elas, o que demonstrou, assim, bastante a importância de uma comunicação ampla para os nossos objetivos enquanto simpósio, né? Porém, o processo de tradução, como vocês sabem, demanda bastante tempo. Então, a gente optou por uma divulgação apenas bilíngue nas redes sociais, o português e o inglês, para realmente agilizar o processo das postagens, mas ainda assim tentando alcançar um maior número de pessoas. E as redes sociais, elas também se mostraram um ótimo canal de comunicação com o público do simpósio, né? Sobretudo para responder dúvidas rápidas, dúvidas pontuais e divulgar todas as informações de forma bastante concisa e dinâmica. E foi através de todo esse trabalho que o simpósio ele conseguiu receber 130 propostas de trabalhos, né? Das quais a gente selecionou 60 para compor a programação, como a Margarida comentou. E foi também através de uma divulgação bastante intensa que a gente chegou aos 145 ouvintes inscritos de universidades do país inteiro, também fora dele. E aí foi interessante também ver que no formulário de inscrição a gente pediu que as pessoas marcassem, né, quais meses elas pretendiam assistir. E todas elas tiveram um grande número de interessados, né? Algumas chegaram a quase 100 interessados, como a mesa Pensamento Cinematográfico, Crítica e Análise Fílmica, Engajamento e Perspectivas Comparativistas de Análise Fílmica, Métodos de Análise Fílmica e Estudos de Caso, Cinema Brasileiro, Recepção Crítica e Cinema Político, e Métodos de Análise Fílmica e Som. Então, com o intuito de não limitar também a conversa do simpósio apenas aos inscritos, a gente elaborou cinco conferências que vão ser abertas ao público, né, sem necessidade de inscrição, através de transmissão no YouTube, como está sendo hoje. E hoje, após essa sessão de abertura, né, logo mais, a gente vai contar com a mesa redonda Colimater, 50 anos de análise estética dos filmes, 1970 a 2020, com os professores da Université Grenoble-Alpes. E amanhã, às 16 horas, também pelo YouTube, a gente vai receber o professor Alberto El Duque, da Universidade Pompeu Fabra, com a conferência intitulada Antigas Gravações e Novas Encenações, a Música Popular Brasileira nos Filmes da Bel Air. E na quinta-feira, no dia 18, às 14 horas, a professora Margarida Carnicer Moore, da Universidade de Lérida, vai apresentar a comunicação A Política da Atriz, Anna Magnani e o Cinema do Neorrealismo Italiano. E na sexta-feira, dia 19, a gente vai ter duas conferências. Na primeira, com início às 16 horas, a Kaira Cabanhas, da Universidade da Flórida, vai falar sobre o cinema letrista, enquanto a Ramayana Lira, da Unisul, vai encerrar o nosso evento com a conferência Estéticas e Políticas Feministas do Espaço no Cinema, às 19 horas. Então, a expectativa é que o primeiro simpósio internacional de cinema e análise fílmica se constitua, né, a partir da interação entre pesquisadores e público, com um ambiente possível de diálogo, de troca de saberes e também de resistência do cinema e da pesquisa, e que esse seja o primeiro de muitos simpósios. Muito obrigada e bom evento. Bom, obrigado, Hanna, obrigado, Margarida, obrigado, enfim, a todos. Eu acho que a gente está aqui representando todos do grupo, né, que participaram
da organização do Congresso. E agora a gente vai passar, então, para a mesa redonda. Eu só vou falar algo em português, rapidamente. Né? É um grupo de pesquisadores que vem pesquisando, né, na Universidade Grenoble-Alpes, com contatos com outras universidades francesas, né, um grande projeto de pesquisas que versa sobre uma extensa genealogia da análise estética na França dos anos 70 à atualidade. Né? Então, a gente, né, fez contatos com esse grupo, mediados pela Fabienne Costat, e agora a gente vai fazer, então, uma mesa redonda, né, que será em francês, né, seguida por um conjunto de perguntas possíveis, né, um dos professores deles fala um português também, será possível a gente também, seja traduzir, seja, né, fazer perguntas propriamente ditas em francês. Bom, passando à mesa, eu gostaria de fazer uma apresentação. Bon, nous sommes ravis d'avoir la présence du groupe de professeurs et chercheurs de l'Université Grenoble-Alpes qui sont associés au programme collimateur. C'est une recherche qui est très proche de l'intérêt thématique de notre symposium d'analyse filmique. C'est une recherche qui propose une histoire et aussi une archéologie de l'analyse esthétique en France pendant les dernières 50 années. Nous vous remercions pour votre présence et l'ouverture pour être ici et pour exposer et dialoguer à propos de ce travail qui est en cours, nous savons, et qui est aussi un travail à long terme. Nous sommes donc avec quatre enseignants et chercheurs de l'équipe de l'Université Grenoble-Alpes et qui font partie aussi du laboratoire LITEARTES. Nous avons donc Fabienne Costat, Guillaume Bourgeois, Pierre Jailloux et Martial Pisani. Soyez les bienvenus et je vous passe la parole et je reviens pour la modération. C'est bon? Oui, très bien. Bon, j'espère qu'on m'entend bien. Bonjour à tous et merci de nous accueillir et de nous donner l'occasion de présenter notre programme de recherche et de pouvoir tisser des liens aussi entre la France et le Brésil. Donc, je vais présenter ce programme, hein, donc qui s'intitule Collimateur, qui est né assez récemment, en 2019, et qui a donc pour ambition de faire l'histoire de l'analyse esthétique du film des années 1970 jusqu'à nos jours. Donc effectivement, c'est une cinquantaine d'années. Nous ne sommes pas sûrs, hein, de pouvoir aller jusqu'au bout, mais en tout cas, on s'est lancé dans cette aventure et en ce moment, on est polarisé sur la décennie 1980 et on va travailler 2 ans sur cette décennie. Donc, je vais commencer par pointer l'originalité de notre recherche. C'est déjà une originalité en termes d'objets. Il y a beaucoup d'études, hein, qui concernent la critique cinématographique et peu sur l'analyse, et encore moins sur l'analyse esthétique, c'est-à-dire sur cette forme singulière qui se distingue d'autres approches, par exemple de l'approche narratologique ou sociologique. C'est aussi une originalité en termes de période, puisque là aussi, il y a eu pas mal de recherches concernant donc, la critique des années 20, 30, 40, et nous, donc, on est sur une approche plus contemporaine, hein, assez récente, puisqu'on commence à partir des années 70. Alors, pourquoi les années 70? C'est en fait le moment où les études cinématographiques en France s'institutionnalisent, c'est-à-dire entre officiellement à l'université avec la création de chaires particulières et où va se conforter donc peu à peu une dynamique autour de l'analyse filmique qui progressivement va s'éloigner dans les années 80
de ce moment fort qu'a été celui de la sémiologie. Hein, donc, voilà, on va petit à petit s'éloigner de la sémiologie pour se polariser plus sur la singularité formelle hein, de chaque film. Autre type d'originalité, c'est en termes d'approche, parce que nous ne menons pas une étude monographique sur les grands noms de l'analyse et nous voulons plutôt privilégier un retour au texte dans une volonté donc, de les historiciser en les replaçant au sein de la production intellectuelle donc de leur époque. On a donc pour horizon une histoire qu'on pourrait dire sans nom, une histoire des discours et de leur circulation. Alors, je vais aborder plus concrètement là, notre méthode. Bon, déjà, c'est un travail collectif hein, qui regroupe une dizaine de chercheurs. Nous sommes quatre ce soir, mais en fait, nous devrions être dix, puisque donc, nous sommes issus de quatre universités, hein, outre celle donc, de Grenoble-Alpes. Il y a aussi l'université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle, l'université de Toulouse et l'université d'Amiens. Et nous avons développé un partenariat avec la Cinémathèque française. C'est un projet qui a pris deux directions principales et complémentaires, autant historique qu'épistémologique. Et concrètement, donc, nous dépouillons systématiquement tout ouvrage et toute revue de cinéma en langue française hein, parue dans cette période, c'est-à-dire que nous nous sommes plongés dans la lecture hein, de tout ce qui a pu paraître là actuellement sur les années 80, donc en se répartissant hein, les revues, les ouvrages. Et voilà, on essaie de passer en revue justement tout ce qui a pu s'écrire. Et on a aussi l'ambition d'explorer tout ce qui est thèse, mémoire, colloque et programme de cours. Donc ça devient de plus en plus gros, mais actuellement c'est sur les revues de cinéma et les ouvrages, et donc on repère systématiquement les textes qui nous semblent appartenir donc à cette analyse esthétique, et on discute à chaque fois hein, des contours que peut prendre l'analyse esthétique en se questionnant sur chaque texte, pourquoi tel texte on peut estimer qu'il relève de l'analyse esthétique et pourquoi tel autre, en revanche, ne relève pas de cette approche. Hein, sachant que c'est une approche que nous pratiquons, mais qu'il est difficile de définir encore précisément puisqu'elle revêt plusieurs formes et c'est ces formes qu'on voudrait essayer de repérer. Justement pour éviter de dire qu'il y a une analyse esthétique, alors qu'en fait, il y a différentes formes. Mais on n'est pas encore en mesure, hein, puisque nous sommes en pleine exploration, de donner des contours très certains. Donc, c'est une définition qui se fait au fur et à mesure et qui est remise en question hein, aussi tout à fait systématiquement. Hein, donc, c'est fait d'avancer, mais aussi parfois de retour un peu en arrière. Donc, ça nous permet aussi de constituer un corpus inédit où, en fait, on fait une bibliographie de tous ces textes que nous trouvons hein, pour essayer donc de constituer un corpus et de réfléchir à partir de ce corpus. Alors, notre recherche s'organise aussi autour de deux séminaires. Un qui est donc sur l'histoire et l'historiographie de l'analyse, où là, chaque membre de notre équipe intervient et fait le point sur les textes qu'il a lus, sur ceux qu'il a retenus, sur ceux qui posent problème. Et c'est évidemment ceux qui posent problème qui nous permettent de discuter et de faire bouger un peu les lignes de cette hypothétique définition. Donc, on confronte nos points de vue hein, et on essaye de voir quels seraient les possibles critères hein, nous permettant de définir cette analyse. Et aussi, ça nous permet de montrer en quoi elle a un caractère très hybride hein, et elle est traversée aussi bien par des influences littéraires que d'histoire de l'art. Voilà, donc c'est une définition qui est finalement de plus en plus ouverte. On a un second séminaire qui s'appelle « Analyse d'analyse » où là, en fait, ce sont deux invités hein, qui interviennent à chaque séance
Et chacun présente un texte précis, méconnu, voire inconnu, hein, parce que l'ambition est aussi de faire émerger des textes hein, qui ont été peut-être peu lus ou oubliés. Et à chaque fois, donc, la personne qui intervient explique en quoi le texte relève, hein, selon elle, de l'analyse esthétique, donc en exposant ses particularités et en essayant de l'inscrire dans une histoire qui reste pourtant à faire, bien sûr. Alors, ce qui va concrétiser notre travail aussi, très, même visuellement, je dirais, très concrètement, c'est notre réflexion et notre création déjà d'une base de données et qui est un peu le reflet du travail qu'on mène, hein, un peu un travail souterrain, mais qui est exposé grâce à cette base de données. Et donc, pour en parler, je vais faire appel à Martial Pisani, donc qui fait partie de notre équipe et qui est post-doctorant hein, depuis le mois d'octobre. Il le sera pendant un an et qui est donc très impliqué dans notre programme de recherche. Donc, je lui cède la place et on se revoit après. Alors bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. D'abord, je vous remercie à mon tour de nous donner la possibilité de présenter un autre projet de recherche. Donc, comme le disait Fabienne à l'instant, moi je vais vous parler un petit peu de la manière hein, dont on veut nous présenter en quelque sorte nos résultats. Hein. On veut présenter un peu tout ce qu'on aura découvert au fur et à mesure de ce programme. Alors, Fabienne vous l'a dit, hein, au fond, on va opérer un dépouillement systématique de revues et de livres hein, de cinéma, pour l'instant, sur les années 80. Le résultat de ça, c'est qu'on va mettre à jour hein, une sorte de corpus hein, qui est inédit, d'où hein, un travail pour inventorier et analyser hein, ce corpus. Alors, la forme choisie pour inventorier ce corpus, c'est tout simplement celle d'une base de données, une base de données numérique. Cette base de données, elle nous permettra d'étudier les pratiques caractéristiques de l'analyse esthétique en s'appuyant sur toutes les méthodes liées au numérique. On a pour cela tout simplement uni un peu nos efforts de chercheurs sur l'analyse de films aux efforts de chercheurs en humanité numérique. Bon, des experts hein, de la manière dont on peut utiliser l'outil numérique qui sont représentés au sein de notre laboratoire par l'équipe hein, du pôle Élan pour Élan littérature et art numérique. La collaboration avec ces experts, hein, ces ingénieurs de recherche, nous a déjà permis d'élaborer l'architecture de cette base de données en utilisant un logiciel qui permet de faire des interfaces et des index automatisé. Et nous sommes actuellement en train de réaliser des tests hein, pour la version publique et notamment pour le design hein, de cette base de données. Alors, la création de cette base de données qui sera pérenne hein, et publique, qui s'appelle Analyse, bon, Analyse orthographiée comme un prénom, c'est un jeu de mots. Cette base de données permettra de divulguer donc ce corpus et sera susceptible, on l'espère, d'intéresser un public de chercheurs, de pédagogues, d'étudiants, en donnant accès à plusieurs choses. Essentiellement, d'abord, à une bibliographie hein, qui consiste en un recensement donc, exhaustif des analyses de films des années 80, et cette bibliographie sera organisée hein, par type d'analyse, notamment. D'autre part, en plus de cette bibliographie, une anthologie de textes qui seront, eux, directement accessibles. Sur notre plateforme, hein, sur Analyse, on pourra directement lire des textes, des analyses de films qu'on aura choisis parce qu'elles nous semblent particulièrement réussies, particulièrement intéressantes. Alors, à ce jour, il n'existe pas de plateforme de ce type, hein, pas de plateforme consacrée uniquement à des textes d'analyse de films. Bon, il y a déjà eu hein, des travaux de plateforme numérique sur des textes sur le cinéma,
mais ces bases de données ne correspondent pas exactement à notre objet de recherche. Et surtout, elles ne proposent pas d'accompagner les textes d'informations analytiques. La masse de données que nous constituons, elle est en effet analytique et dynamique en un sens, puisqu'elle intègre un ensemble de métadonnées qui sont descriptives, pour une part, mais aussi analytiques. L'idée est de proposer des classifications, des repérages thématiques, d'ajouter aux informations bibliographiques sur l'auteur, la date de publication, le lieu de publication, etc., des indexations qui répondent, elles, à un souci esthétique, en relevant cette fois les motifs ou les thèmes, les procédés techniques ou formels, les formes d'art ou les genres cinématographiques évoqués dans les textes, dans les analyses de films. Cette indexation analytique, donc, qui est assez singulière, permettra normalement de créer des liens un peu inédits entre des textes différents ou entre des films a priori éloignés. Cette plateforme devrait donc faire office de laboratoire, si l'on veut, de laboratoire numérique, en proposant des vues spécifiques sur des textes pour les comparer, les recenser, les classer, mais aussi de proposer des regroupements à partir d'un aspect précis. Cette plateforme aux bases de données proposera aussi, outre la bibliographie et l'anthologie d'analyse de films, ce qu'on a appelé des analyses d'analyse, c'est-à-dire tout simplement des commentaires de ces textes menés par des spécialistes. Une sélection qui sera amenée à s'enrichir au fur et à mesure de nos séminaires notamment. La plateforme inclura aussi des théories de l'analyse, c'est-à-dire des réflexions cette fois-ci sur l'analyse de films, non pas des analyses, mais des réflexions sur l'analyse de films en général, ses modes d'existence, ses définitions plurielles, etc., un ensemble de théories alimentées là aussi par les séminaires ou colloques, mais aussi éventuellement les propositions extérieures. Alors au départ, cette base de données sera alimentée par les membres de l'équipe, mais à terme, cette base a des ambitions participatives. L'idée est qu'elle puisse être alimentée par d'autres personnes qui découvrent une analyse de film qui n'a pas été recensée, qui découvre une théorie de l'analyse qui n'a pas été incluse, etc. L'idée, c'est au fond d'accueillir tout un ensemble d'analyses de films, mais aussi de réflexions sur l'analyse de films dans une perspective esthétique, historique et même théorique. Ce que l'on voudrait aussi à terme serait de proposer aussi, bien sûr, des analyses inédites et que cette plateforme, cette base de données analyse constitue un outil de veille sur l'actualité de l'analyse filmique et qu'elle puisse montrer aussi que cette analyse de film, cette analyse esthétique de film est toujours vivante. Alors, au-delà de la base de données, il y aura bien sûr d'autres manières de présenter notre travail, de montrer nos résultats, et notamment en organisant des colloques sur des sujets précis ou en publiant des numéros de revues. À ce jour, on a prévu un colloque l'année prochaine et la préparation d'un numéro de revue. Alors, le prochain colloque que l'on veut organiser, c'est un colloque sur la question de la comparaison. L'importance de la comparaison dans l'analyse esthétique de films, les liens entre analyse esthétique de films et comparaison. Ce colloque, qui devrait se dérouler dans un an, en novembre 2022, réunira des chercheurs du projet Collimateur, mais aussi d'autres chercheurs, l'idée étant bien sûr de croiser notre approche, celle de chercheurs extérieurs au projet. Ce colloque sur la comparaison doit étudier non pas le jeu d'influence que suggèrent les films eux-mêmes, mais les correspondances qui ont été créées, qui ont été proposées par les observateurs, les analystes, etc., sur les films. Donc des comparaisons qui ne sont pas suggérées par les films eux-mêmes, mais que l'on propose à leur sujet, l'idée étant de voir qu'est-ce que peut créer toute cette comparaison. Le numéro de revue que l'on veut lui aussi concevoir pour l'année prochaine, pour un an à peu près,
qui serait un numéro de la revue Théorème, lui serait une sorte de bilan hein, d'abord de ce projet de recherche. L'idée est de proposer en quelque sorte un bilan de ce que l'on a fait, une histoire de l'analyse de film centrée sur les années 80 pour l'instant. Et on voudrait, dans le cadre de ce numéro de Théorème, expliquer d'abord le choix des années 80 dans le cadre du projet, mais proposer ensuite des réflexions sur des aspects singuliers issus des découvertes, des questionnements que nous avons rencontrés dans le cadre du séminaire. Il pourrait, par exemple, s'agir d'étudier des revues méconnues, des revues un petit peu oubliées et leur importance, d'évoquer aussi la singularité du corpus. Bon, dans quel cadre est apparue l'analyse de films, de quel film particulièrement on parle quand on fait l'analyse de films dans ces années 80. De voir peut-être la différence entre critique et analyse, bon, éventuellement d'évoquer justement le rapport à l'analyse comparée qu'on aura à étudier dans ce colloque, mais aussi le rapport à un théoricien comme Deleuze, par exemple. Donc beaucoup de pistes que l'on pourrait en quelque sorte rassembler dans ce numéro de Théorème. Bon. Sur justement un peu ces enjeux complexes, la partie un peu la plus réflexive, je vais maintenant laisser la parole à Pierre Jaillou pour évoquer tout ça. Bonjour tout le monde et merci de laisser la parole à Collimateur. Donc, comme Martial et Fabienne l'ont expliqué auparavant, effectivement, on a entrepris la lecture, qu'on espère exhaustive, de textes des années 80, issus de différentes origines, que ce soit alors les revues et les livres, c'est le plus attendu, mais également les mémoires de master, les thèses également qui ont été écrites. Éventuellement les programmes de festival également. Et puis, quand on parle de revues, c'est non seulement les revues spécialisées, mais aussi les revues non spécialisées, les revues littéraires ou d'art, par exemple, qui pourraient, ou de philosophie, qui pourraient avoir une rubrique cinéma ou parler de temps en temps de films. Donc, c'est un énorme travail qui a pour but, d'une part, de repérer les différentes formes de l'analyse, c'est-à-dire... peut-être faire émerger des courants, des approches à l'intérieur de l'analyse esthétique du film. Également de repérer des lieux d'émergence de l'analyse filmique, c'est-à-dire on se demande finalement dans quelle revue on trouve essentiellement de l'analyse esthétique du film, dans quelle décennie ou quelles années également. On constate d'ailleurs très souvent que certaines revues propose des approches très différentes, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une seule et même revue, on peut avoir des approches très différentes de l'analyse filmique. Et il s'agit également, à travers ces lectures, de faire l'histoire de l'analyse esthétique du film, c'est-à-dire d'en cerner les contours, d'en voir l'évolution, éventuellement les périodes où l'analyse esthétique du film tend à disparaître, parfois où elle émerge à nouveau, où elle renaît. Donc, c'est essayer de voir comme ça sur un temps assez long, sur plusieurs décennies, l'évolution finalement de cette histoire de l'analyse filmique. Et enfin, bien entendu, mais c'est un work in progress également, c'est essayer de faire émerger les contours de l'analyse esthétique du film, c'est-à-dire qu'on s'interroge sans cesse, qu'est-ce que c'est que l'analyse esthétique du film, est-ce que ça en est ou pas. Et ça, c'est toujours l'objet de longs débats entre nous lorsqu'on étudie certains textes sur lesquels on s'interroge. Alors, on a commencé, alors il y a bien sûr peu de temps, mais on a eu l'occasion chacun de lire des revues du début des années 80. Donc, on s'est limité d'abord au début des années 80, parce qu'il fallait bien commencer par quelque chose. Et comme l'a expliqué Fabienne, c'est aussi le début de l'institutionnalisation un petit peu de l'analyse filmique à l'université. C'est au moment où on commence véritablement à faire de l'analyse filmique à l'université. Et donc, nous avons lu un certain nombre de revues que l'on s'est réparties entre les 10 membres permanents pour l'instant de Collimateur. Alors, parmi ces revues, il y en a bien sûr de célèbres comme Les Cahiers du cinéma ou Positif,
Et puis, nous avons lu aussi des revues peut-être aujourd'hui un peu plus oubliées, comme la Revue du cinéma ou Caméra Stylo, également, hein, qui propose deux numéros par an consacrés à un cinéaste, ou Cinéma 80, ou encore une autre revue qui s'appelle Sa Cinéma et qui finit d'ailleurs hein, au tout début des années, Et à l'intérieur, bien entendu, on peut trouver des choses très différentes, hein, aussi bien des articles critiques que des articles théoriques, mais on lit aussi les comptes rendus d'ouvrages sur le cinéma, des textes aussi peut-être plus réflexifs sur l'analyse esthétique du film, mais on a aussi dans certaines revues des descriptions de films ou de séquences, on a également des novélisations. Donc voilà, tout un ensemble en fait assez disparate de textes que l'on trouve dans ces différentes revues. Et puis nous avons lu également un certain nombre d'ouvrages du début des années 80, donc j'en cite quelques-uns, par exemple « L'homme ordinaire du cinéma » de Jean-Louis Schaeffer. Nous avons lu également « Théorie du film », qui est un ouvrage collectif coordonné par Jacques Aumont et Jean-Louis Letras. Ou enfin, entre autres exemples, un ouvrage de Robert Benayoun qui s'appelle « Alain René, arpenteur de l'imaginaire ». Donc, des ouvrages donc, du début des années 80. Alors, à partir de ces lectures qui nous réunissent, sur lesquelles on discute lors de ces séminaires, on peut déjà formuler quelques hypothèses qui ont émergé justement à la faveur de ces discussions. Et on s'est rendu compte, à travers la lecture qui ne fait pourtant que commencer hein, de ces ouvrages des années 80, que les années 80, effectivement, marquaient un tournant dans l'analyse esthétique du film. On voit bien qu'on est un petit peu à une période pivot où l'analyse du film évolue. On constate notamment, Fabienne en a un petit peu parlé, et ça c'est le point peut-être le plus saillant, que les auteurs prennent leur distance avec une approche sémiologique du film. C'est-à-dire que très souvent, plusieurs auteurs d'articles ou d'essais vont prendre leur distance, mais explicitement en l'écrivant noir sur blanc, vont prendre leur distance avec les grilles de lecture systématiques, et notamment ils vont prendre leur distance avec le cinéma comme syntaxe ou le montage comme phrase, par exemple. Donc, il y a tout un vocabulaire qui relève de la sémiologie, comme la syntaxe ou la phrase, avec lesquels les auteurs, justement, vont prendre leur distance pour proposer un autre type d'analyse, mais parfois, encore une fois, explicitement, en citant, par exemple, Christian Metz, avec lesquels, justement, ils vont essayer de... par rapport auxquels ils vont essayer de proposer autre chose. L'analyse, par conséquent, l'analyse esthétique du cinéma pose des difficultés qui est souvent aussi revendiquée. C'est-à-dire qu'encore une fois, on veut prendre ses distances par rapport à la sémiologie, mais on ne sait pas encore exactement ce que l'on peut faire une fois justement qu'on a pris ses distances avec ces grilles de lecture un peu systématiques. Et par conséquent, beaucoup d'auteurs expriment leurs difficultés face à l'analyse. C'est-à-dire, est-ce que véritablement on peut analyser, comprendre, expliquer, cerner tous les contours d'une œuvre? Donc, on parle beaucoup notamment du texte introuvable, en fait, hein, du film un petit peu introuvable. On parle de lecture infinie aussi du film qui serait ouverte à toutes les interprétations. La signification souvent se dérobe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une signification unilatérale et systématique et unique, mais on explique bien que justement le film est quelque chose de mystérieux ou va proposer une signification plurielle. Il n'y a pas de signification donnée, en fait, une fois pour toutes, pas de grille de lecture, pas de vue globale non plus du film, hein, on ne peut pas véritablement capturer la signification globale en fait, du film. Donc ça, c'est très souvent exprimé par les auteurs, qui vont avoir aussi une appétence pour toutes les questions du vide, de l'absence, justement, du blanc, du silence, hein, comme si, justement, confrontés à la difficulté de cerner une œuvre, ils en exprimaient finalement le caractère parfois illisible ou très complexe.
pour paraphraser une expression justement de Jean-Louis Letras, hein, il recherche un autre visible en fait du film, la part secrète un petit peu de l'œuvre, hein, c'est-à-dire qu'ils en voient l'envers de l'œuvre, l'envers du film. Très souvent d'ailleurs, on remarque que dans ces textes, la forme du film va parfois être opposée au récit, à ce que raconte finalement le film, comme si ce que racontait le film finalement nous cachait quelque part l'essence même de l'œuvre. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de forme, de la matière de l'œuvre. On essaie vraiment d'être beaucoup plus précis aussi, hein, dans les paramètres filmiques qu'on met à contribution. On va décrire des séquences précisément, on va décrire des paramètres filmiques, on va véritablement rentrer dans la matière de l'œuvre, dans le caractère sensible, si vous voulez, de l'œuvre, et qui parfois va être revendiqué comme s'opposant finalement à ce que raconte le film. Alors justement, j'allais dire, je vous avais dit que cette posture finalement qui s'opposerait à la sémiologie est encore hésitante, puisque parfois on constate aussi que certains auteurs vont aussi estimer, enfin, vont être mal à l'aise, si vous voulez, avec cette analyse esthétique, puisque l'esthétique va parfois être assimilée à quelque chose de très littéraire, voire impressionniste, qui ne serait pas scientifique, justement. C'est-à-dire qu'on s'écarte du caractère scientifique, de l'approche scientifique de la sémiologie, et on se retrouve un petit peu face à un vide béant, en fait. On ne sait pas trop quoi faire, par conséquent, de l'objet film. Et par conséquent, on a parfois cette opposition entre le caractère scientifique de la sémiologie et le caractère peut-être plus impressionniste de l'analyse. Et on constate aussi que on ne sait pas comment définir finalement l'approche esthétique. L'esthétique est parfois réduite à une liste d'auteurs, à une liste d'écoles ou de genres, ou à des paramètres filmiques, hein, à de simples motifs qu'on repérerait, mais on ne sait pas quoi faire en fait de ces motifs, on ne sait pas quoi faire de l'identification de ces paramètres filmiques. Donc l'analyse est encore quelque chose de l'analyse esthétique en tout cas, est quelque chose d'introuvable encore ou de difficile à cerner. Et c'est pour ça d'ailleurs que parfois on avait constaté aussi qu'on a des textes qui appellent à l'analyse esthétique, mais sans en être réellement. C'est-à-dire que ces textes-là, par exemple, vont repérer des motifs, mais ne vont pas véritablement les analyser ou ne savent pas quoi faire en fait de l'identification de ces différents motifs. Et puis, bien sûr, dans ces textes, ça aussi, c'est notre travail justement et notre discussion, c'est que ces revues ou ces ouvrages justement sont loin de faire l'unanimité autour de l'analyse esthétique, mais sont souvent faits d'analyses plutôt symboliques ou de théories sur le cinéma, ou d'analyses thématiques, narratives, etc. Et donc, tout l'enjeu est de savoir, justement, est-ce que c'est encore de l'analyse esthétique ou est-ce que c'est autre chose que ça. Et enfin, donc, il y a aussi, alors, on constate également qu'il y a une attention à tout ce qui est corporel dans le cinéma. Donc, c'est non seulement la matière du film, mais la question du corps au cinéma, la question de la matière aussi au cinéma. Donc, on voit qu'on est de plus en plus sensible, encore une fois, à la matière même du film, voire à l'affect, hein, du film. Et pour finir, on constate aussi non seulement un goût pour l'écriture, mais aussi une importance de l'écriture, du style, dans l'analyse. C'est-à-dire que l'analyse esthétique du film va passer aussi par le choix des mots, par le style de l'auteur. Donc on s'écarte encore une fois, là aussi c'est une façon de s'écarter quelque part peut-être d'une approche sémiologique scientifique avec une écriture purement fonctionnelle, mais parfois on a véritablement une écriture qui va essayer d'appréhender le sensible du film ou vraiment d'exprimer de façon la plus juste possible la matière même du film. Donc voilà les premières hypothèses que l'on a pu tirer de ces premières lectures, hein, qui sont encore bien sûr balbutiants de ces textes des années 80. Donc je vais maintenant laisser la parole à Guillaume Bourgois, qui va nous parler
plus précisément des questions de la définition de l'analyse esthétique du film, ou qu'est-ce que peut être l'analyse esthétique. On va dire ça, les hypothèses en tout cas. Oui. Então, muito boa tarde a todos. Eu vou, pronto, vou falar em francês, mas é, como a minha mãe é portuguesa, eu falo português, é um prazer, uma alegria estar com vocês, vocês receberem, etc. Muito obrigado e é sempre um prazer poder falar em português realmente e trocar ideias. Então, eu vou percorrer certos elementos que já foram ditos, mas vão ver que vou levá-los a certas conclusões e certas perguntas. Então, moi, en fait, ce que je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment passionnant et de compliqué, on pourrait dire, hein, mais on pourrait dire à la fois passionnant parce que compliqué et compliqué parce que passionnant, dans ce projet qui est le nôtre. Hein. En ce que moi, ce que j'aime beaucoup, et Fabienne en a déjà un peu parlé, c'est un projet qui va nous amener ou presque nous obliger à interroger, voire à problématiser nos propres a priori, et même la façon dont on se raconte ou dont on a pu nous raconter cette fameuse histoire de l'analyse esthétique du film. Donc, on vous l'a dit, on a donc un projet qui va rassembler des chercheurs, donc, qui en plus, à des degrés divers, vont se réclamer de cette approche, qui s'intéresse à l'analyse esthétique, qui s'accorde comme ça à reconnaître son importance, tout en ayant évidemment une compréhension et une pratique parfois très différentes. Donc, évidemment, ça lance des débats, des discussions, parfois des désaccords, parfois des incompréhensions. Il pourrait y avoir une sorte d'histoire parallèle du projet à faire par rapport au moment où il y a des incompréhensions, et donc, qu'est-ce qu'elle révèle comme ça. Mais, donc, on a ce groupe de chercheurs aussi qui va se reconnaître, en tout cas, qui va valider initialement, en tout cas, une certaine manière dont on raconte habituellement l'histoire de l'analyse esthétique, du moins en France. L'idée qu'il y aurait une apparition, une éventuelle généralisation comme ça entre les années 80 et 90. Donc, il y a évidemment une façon de raconter l'histoire qui, comme toutes les façons de raconter l'histoire, bon, passe par des simplifications, voire des falsifications. Et nous, il s'agit évidemment, grâce à ce travail qui est le nôtre, de mettre à l'épreuve comme ça, cette vision historique en allant voir et lire dans le détail comme ça, donc des textes écrits sur le cinéma, selon, vous l'avez compris, une sorte d'échantillon le plus large possible pour comprendre bon, comment a pu se jouer et se déployer ce trajet comme ça de l'analyse esthétique, y compris et surtout bon, bah, en découvrant que ce n'est peut-être pas tout à fait aussi simple et aussi clair qu'on aurait pu le penser. Hein, c'est ce que disait Pierre tout à l'heure, début années 80, ok, on comprend bien qu'il s'agit un peu de taper sur la sémiologie, d'essayer d'ouvrir de nouvelles approches, de nouvelles pistes, de nouvelles directions, sans qu'on sache exactement pour l'instant de quoi... Quoi, non. Alors, d'où, évidemment, on en a parlé, la mise en place donc, de ce dispositif expérimental avec, donc, qui nous amènerait à possiblement dépouiller et lire tout ce qui a été écrit ça, bon, à la recherche, alors sinon d'une définition de l'analyse esthétique, du moins de certains critères voilà, qui permettraient d'identifier un texte comme relevant ou non de l'analyse esthétique. Alors, vous savez, hein, c'est Carlo Ginzburg qui rapproche la méthode de l'historien à la fois de la méthode expérimentale en médecine et de la recherche d'indices, à la manière un peu de Sherlock Holmes, donc, des indices, symptômes, comme ça, qui permettent de découvrir l'existence d'une certaine dynamique historique et de la catégoriser, de l'analyser. Bon, ben, nous, à notre petit niveau, on essaie un peu de faire la même chose. Alors, on essaie de, en tout cas, on se demande si on pourrait mettre en évidence voilà, des indices ou des symptômes comme ça, qui nous permettraient, à l'échelle de, à chaque fois d'une étude de cas, c'est-à-dire d'un texte précis, de catégoriser bon, ce texte comme relevant ou non de l'analyse esthétique, pour mieux ensuite, évidemment, on travaille, vous l'aurez compris, toujours sur ces deux plans, à ces deux niveaux, pour ensuite bon, pouvoir décrire, analyser, théoriser le processus, le geste à l'œuvre, et le replacer dans une logique historique plus générale. Bon, évidemment, comme vous vous en doutez bien, la question de ces critères est très compliquée et va générer de nombreux débats qui sont passionnants. Alors, juste un peu pour vous expliquer comment on a fait, Fabienne en a déjà un peu parlé, ce qui me semble assez capital, c'est qu'on s'est tout de suite mis d'accord sur un principe un peu fondateur, comme ça, qui devait être celui de sortir d'une perspective et d'une lecture qu'on pourrait dire auteuriste, qui... sinon justement risquer en fait,
de nous faire retomber sur nos a priori et en fait de nous faire nous lancer dans une démarche où il s'agirait tout simplement de, en fait, de confirmer une histoire qui serait déjà préconçue. Donc il s'agit, alors évidemment autant que faire se peut, hein, mais il s'agit de traiter chaque texte presque comme s'il était anonyme, indépendamment évidemment de qui l'a écrit et surtout du fait que cet auteur ou cette autrice se revendique de l'analyse esthétique ou alors le fera par la suite. Bon, il s'agit, évidemment, on ne peut pas être totalement objectif, mais il s'agit de se confronter à des textes de cette manière. Et par la suite, alors, au fil des premières étapes de notre dépouillement, sont apparus, voilà, ou ont commencé à apparaître, certains critères qui nous semblent importants. Alors, par exemple, hein, alors c'est un critère un peu terre-à-terre, un peu bête et méchant, comme ça, mais par exemple, la taille d'un texte nous est apparue comme un critère. Alors, étant donné qu'il s'agit, c'est comme ça initialement qu'on conçoit l'analyse esthétique, il s'agit quand même de creuser la matière sonore, la matière visuelle d'un film. Bon, on s'est dit qu'une notule ou un court texte qui ne serait pas directement centré sur un élément esthétique, sur un motif ou autre, etc., bon, a priori ne rentre pas ou ne rentrerait pas dans ce qui nous intéresse, et notamment dans la bibliographie. Avec ça, autre critère important qui, là, est déjà un tout petit peu plus, voire encore plus subjectif, la question de la distance. La distance qui est celui ou celle qui écrit avec le film qu'il analyse, dans sa manière ou non de rester en surface. Là, on aurait a priori envie de dire qu'on ne serait pas dans l'analyse esthétique, ou alors surtout, puisque justement, on voit bien que tout se mêle à ce moment-là, du début des années 80, ou dans la façon que pourrait avoir un texte d'instrumentaliser éventuellement le contenu, la forme du film, hein, au nom d'un autre discours, d'une autre discipline, etc. Là, on n'y serait pas. Donc, un type de critères qui nous sont apparus. À côté de ça, nous sont aussi apparus des critères importants, mais non suffisants, à commencer, bien évidemment, par l'utilisation, bon, de certains termes que l'on tient traditionnellement et habituellement pour ceux qui composent le vocabulaire de l'analyse de film, bah, parler d'échelle de plan, d'effet de transition, d'effet sonore, etc. Bon, évidemment, c'est important, mais c'est non suffisant, puisque, bon, on s'en doutait bien, mais on a bien vu qu'il pouvait être présent dans des textes, par exemple sur la technique, ou qui reposerait sur une autre approche et qui n'aurait pas vraiment de visée esthétique ni de réflexion sur à la dimension, on va dire, sensorielle, insensible du film. Pierre en a beaucoup parlé tout à l'heure, c'est en revenant un peu à l'étymologie de l'esthétique comme ça. Et insatisfaisant aussi, parce que si on en restait uniquement à ce niveau-là, bon, on tomberait dans juste une liste de mots-clés au bout d'un moment, qui nous permettrait, évidemment, ça serait totalement faux, qui nous amènerait à dire, bah, parce qu'il y a tel terme, ça, c'est de l'analyse esthétique, parce qu'il n'y a pas tel terme, ça n'est pas. Et terme, alors c'est là-dessus aussi qu'on travaille, hein. Terme qui nous semble et qui va nous sembler de plus en plus, hein, impératif justement de penser et de repenser en fait dans des agencements. Et en fait, c'est peut-être justement que ça va être ces agencements d'un coup, ces montages, on va dire, ou ces liens qui vont se faire entre un des termes dont je vais vous parler et une notion, bah, d'un coup, peut-être que c'est cet agencement, ce type d'agencement qui pourrait être considéré comme un indice ou un symptôme comme ça de l'analyse esthétique. Juste pour prendre la question de l'échelle des plans, bon, bah, si on a un agencement dans un texte entre l'échelle de plan et des questions spatiales, la question sur l'espace au cinéma, le paysage, etc., là, d'un coup, on est quand même dans quelque chose qui pourrait qualifier notre texte. Mais ce qui a surtout surgi, c'est évidemment une foule de questions qui ne cessent de se multiplier, hein, ça prolifère de plus en plus, mais justement, plein de questions sur lesquelles on n'arrête pas de débattre, qui justement, en se multipliant, font avancer notre réflexion et notre pensée justement de ces éventuels critères de sélection ou ces éventuels marques, comme ça, marqueurs de l'analyse esthétique. Alors, question auxquelles, qui est assez marrant, c'est qu'on commence à avoir de plus en plus d'éléments de réponse, mais on n'a pas encore, et peut-être qu'on n'en aura jamais, de réponse catégorique. Alors, je peux vous donner, hein, quelques questions qui ont pu se poser et qui ont pu nous occuper. Bon, par exemple, on s'est demandé, là, c'était lors de la dernière réunion, est-ce qu'un texte qui porterait sur le style d'un cinéaste, et je vous ai entendu tout à l'heure justement, on parlait beaucoup de style, un texte qui porterait sur le style d'un cinéaste avec des remarques qui seraient vraiment précises, mais qui ne s'attarderaient pas précisément
sur un ou plusieurs films, bon, bah, est-ce qu'ils relèvent ou pas, alors, dit simplement, mais est-ce qu'ils relèvent ou pas de l'analyse esthétique? Ou alors, question aussi qui s'est posée récemment, et évidemment qui est très importante par rapport à une approche qui quand même cherche à un moment à s'éloigner, à se démarquer de la sémiologie et surtout de la narratologie, bon, bah, que faire de l'analyse du récit? L'analyse du récit, l'analyse d'enjeux scénaristiques, dramaturgiques, bon, bah, est-ce que ça, on est dans sur le territoire de l'analyse esthétique ou pas? Oui, non, oui, peut-être, si oui, comment, etc. Ou alors, bon, évidemment, ça c'est un casse-tête pas possible, mais faut-il qu'un texte ou un ouvrage relève entièrement de l'analyse esthétique pour que nous, on le retienne, pour qu'on s'y intéresse? On a envie de dire non, mais du coup, est-ce que, je ne sais pas, un texte qui serait à 25% du côté de l'analyse esthétique, est-ce qu'il est qualifié ou pas? Et alors, deux, trois choses juste par rapport à ça pour finir. Évidemment, Fabienne en a un peu parlé tout à l'heure, ce qui est assez amusant, je trouve. Et bon, c'est surtout parce qu'évidemment, on est en train de débuter et qu'on commence à se poser des questions. En fait, ce qui est amusant, c'est que ce sont les textes qui posent le plus de problèmes, qui sont les plus intéressants, évidemment. C'est les textes qui soulèvent des questions au sujet desquelles on n'arrive pas tout de suite, après une première lecture, comme ça, à dire ah ben ça, c'est de l'analyse esthétique, ça n'en est pas. Du coup, voilà, c'est ces objets un peu hybrides dans leur pratique, dans leur visée, même des fois, on a des textes extrêmement composites, même dans les éléments qu'ils vont choisir d'analyser selon les parties du texte. Enfin, c'est assez intéressant. C'est vraiment de cela qu'on apprend le plus. Et qui vont justement soulever des questions, nous faire avancer. Et aussi, ce qui est assez marrant, c'est qu'on peut voir, il y a quelque chose, on en parlait tout à l'heure, un peu d'expérimental et aussi d'hypothèses, de critères temporaires qui d'un coup vont changer, vont disparaître, vont revenir. Et parfois, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a des critères qu'on avait tout de suite éliminés qui en fait reviennent sous une autre forme. Justement, on s'était posé la question, bah, est-ce que... la question de la qualité d'un texte doit intervenir ou pas. Et bon, a priori, on s'était tous dit, ben non, en fait, on est juste sur des textes qui relèvent ou non de l'analyse esthétique, même si le texte ne nous plaît pas, si on le trouve raté. Hein. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'étant donné que là maintenant, on est quand même en train de dire que le degré de précision quand même de l'analyse par rapport à cette question de la distance, justement, va être intéressant. Bon, il y a une sorte de ruse comme ça de ce critère qui va revenir d'un coup. Et alors, il est plus intéressant, plus scientifique et beaucoup moins subjectif, mais il revient quand même. Et aussi, bon, là, c'est vraiment assez important et assez passionnant de pouvoir être avec vous et de présenter ce projet qui est le nôtre, parce que ça permet, nous aussi, de prendre du recul déjà sur ce début de dépouillement et ce début d'aventure qui était nôtre, notamment grâce à des comptes rendus écrits de main de maître par mon collègue Pierre Jailloux. En fait, c'est que je me suis amusé à relire les comptes rendus. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que ça permet de voir qu'on a déjà vraiment beaucoup avancé. Parce qu'en fait, la première réunion, on n'était que dans des réflexions purement abstraites, évidemment à la recherche d'une définition de l'analyse esthétique, d'un critère simple pour différencier l'analyse esthétique de la critique, etc. Et bon, évidemment, on savait bien qu'on n'allait pas répondre, mais là, on voit bien que plus on avance, plus, notamment dans la dernière réunion, c'est vraiment des questions concrètes d'analyse et surtout d'écriture qui se posent et que soulèvent les textes. Bon, bah, un récit, effectivement, comment on peut le traiter de manière esthétique, une référence extérieure, comment on l'intègre, même la description d'un plan, voilà, bon, bah, comment elle se fait et comment elle doit jouer pour qu'on soit du côté de l'esthétique. Et donc, avec l'idée qu'on aura toujours une définition impossible, mais qu'on commence à creuser et à définir un peu le terrain de jeu comme ça de l'analyse esthétique et voilà, et ça nous permet aussi de découvrir plusieurs types de jeux et de pratiques au sein de ce territoire que l'on est en train de cartographier petit à petit, et c'est plutôt enthousiasmant de ce point de vue là et donc merci à vous de nous avoir donné la possibilité de vous présenter notre projet. Eh bien, merci. Je crois que nous pouvons faire la continuité du débat. Et merci à tous pour cette exposition très généreuse. Et je crois que vous avez aussi, c'est vrai, vous avez des,
Vous avez des hypothèses, vous avez un riche matériel en main, mmh. Mais aussi un matériel infini, qui peut être aussi infini, mmh. n'est-ce pas? Mmh. Et vous avez un débat méthodologique qui a à voir au terme. Utiliser, par exemple, l'analyse, la critique, et j'aime bien ça aussi, hein, pour penser, par exemple, que vous avez montré, par exemple, l'idée de revoir nos a priori, hein, l'idée de l'importance de l'écriture, et n'est pas... seulement de la d'une analyse du texte, par exemple, et cette hypothèse elle est très intéressante. Par exemple, cette tournée de ces changements aux années 90 et cette tendance de s'y différencier des analyses sémiologiques, par exemple. Mais je vais vous faire une question que je l'avais déjà, mais qui a à voir avec aussi avec vos propositions. Je pense, comment est-ce que la trajectoire de chacun de vous elle a à voir au projet collimateur, au programme collimateur. Par exemple, je sais que Fabienne a une recherche très importante à propos de Jean-Louis Letra, par exemple. Et d'autres de vous, comment est-ce que le trajet de chacun vous ramène au projet, au programme collimateur? Oui, moi aussi, je pense que c'est commun, je suis lié à Jean-Louis Letra aussi, qui a été mon enseignant et qui, j'étais en lettres à l'époque, mais il m'a réorienté. Alors, j'étais déjà pas mal intéressé par le cinéma et je suis allé de ce côté-là en thèse, etc. Et effectivement, je pense que son influence se voit dans le projet lui-même et dans nos trajectoires. Cette sensibilité, effectivement, à l'écriture et à l'analyse de films, mais comprise de façon extrêmement large, parce que c'est ce que je disais, dans nos a priori aussi, ce qui est assez marrant, c'est on se connaît assez bien tous les quatre, on travaille ensemble, mais en fait, on se rend compte que même nous, l'idée qu'on se fait de l'analyse esthétique n'est pas exactement la même, etc. Et du coup, ça permet aussi de comprendre, et je trouve que c'est aussi pour ça qu'on aime autant l'analyse esthétique de film, c'est la pluralité justement d'écriture, d'approche aussi qu'elle va intégrer. Et ça, ça nous permet de réfléchir à tout. Donc, je pense que, en tout cas, je parle pour moi, mais je pense parler pour les autres, mais je les laisserai exprimer. On a tous un lien vraiment très fort à l'analyse de film et c'est un rapport même au film qui nous intéresse de passer par ce type de distance aller vraiment dans le détail puis en sortir, etc. Et c'est aussi ça qui nous a motivés. Enfin, mais du coup, on essaie de ne pas rester obtus sur notre définition et notre vision initiale de ce que ça peut être. Ce qui est aussi original et pas facile en fait dans notre démarche, c'est que donc, nous ne sommes pas historiens, mais nous essayons de faire de l'histoire. Et en fait, ça ramène d'une certaine façon, encore une fois, à Jean-Louis Letra, qui était certes avant tout analyste des films, mais aussi historien. Il a fait donc sa thèse, hein, sur le western des années 20. Et là, c'est une thèse, hein, qui est vraiment une thèse d'histoire, hein, dans la lignée de Michel Foucault.
Donc, une double posture. Et finalement, on est un peu, en tout cas, on essaye hein, d'avoir cette posture d'historien, alors qu'on n'a pas cette formation. Donc, c'est pour ça que ça demeure un projet assez expérimental pour nous, où on teste des choses, où on essaye donc de prendre le recul nécessaire, justement. Et certes, on a suivi donc, cet enseignement les uns les autres de Jean-Louis Letras, mais on essaye aussi, voilà, c'est notre démarche, hein, de détacher de cette question voilà, d'auteur pour revenir à cette démarche sur les textes, hein, un retour au texte, de même finalement que Letras était revenu en travaillant sur le western, travailler sur tous les westerns des années 20, hein, en travaillant même sur les comptes rendus qui avaient été faits sur ces westerns. Donc, il avait une démarche pas du tout, je dirais même qualitative, c'est-à-dire qu'il considérait tous les westerns, de même que nous considérons hein, tous les textes d'analyse, quels que soient les auteurs, hein, quelle que soit la provenance des textes. Donc, certes, on a des attaches fortes au départ, mais dans notre démarche, en tout cas, on essaye hein, d'être en tout cas le plus objectif possible, hein, pas du tout normatif. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en effet, oui, on a tous un trajet, en tout cas, dans l'analyse de film, mais avec des disparités. Il y a aussi l'idée de... Moi, ce qui m'intéresse, c'est j'ai l'impression que, étant donné qu'on fait, alors de façon différente de l'analyse de film, on vient quand même, on hérite d'une histoire, et j'ai juste envie, au bout d'un moment, il y a aussi ça, juste de connaître cette histoire. Ouais. Voilà, parce qu'on nous a raconté justement ça, l'histoire de l'analyse de film, comment ça s'est fait, etc. Et il y a aussi l'idée tout simplement de voir un peu précisément comment ça se fait. Non, simplement dire que. Effectivement, on vient tous en quelque sorte d'analyse de film et que c'est même un peu ce qui nous réunit. C'est-à-dire qu'on a travaillé par ailleurs sur pour nos sujets enfin de thèse ou d'HDR sur des sujets, des objets très très différents. Bon, c'est vrai que Pierre, toi, tu as travaillé sur le cinéma fantastique hollywoodien. Toi, Guillaume, tu as fait sur le cinéma portugais. Et puis, Fabienne, ses dernières recherches sont, elles, sur l'analyse de film. Moi, j'étais sur le cinéma muet hollywoodien. Donc, vous voyez, c'est des choses très différentes. Et en même temps, on se rejoint tous par ce biais d'analyse de film. Donc, c'est vrai que l'ambition de ce projet, hein, c'est peut-être aussi de s'interroger sur ce que c'est que cette analyse de film. Si ce n'est pas une méthode bien déterminée avec des règles, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui, finalement, hein, nous réunit? Et au-delà de ce lien à Jean-Louis Letras, qu'est-ce qui nous réunit dans l'analyse hein, esthétique en général? Oui, effectivement, ça nous permet peut-être de penser aussi ce que l'on fait plus ou moins spontanément, sans y avoir forcément réfléchi ou sans avoir conscientisé. Donc, ça nous permet de… Voilà, on fait de l'analyse de film par goût aussi, par les études littéraires aussi, pour la plupart d'entre nous. On vient plutôt de la littérature ou de la philosophie ou autre, pas forcément du cinéma stricto sensu. Mais je pense que ça nous a donné le goût de l'analyse, mais aussi le goût des mots, du style, enfin de l'écriture également. Mais ce que je trouve très intéressant, effectivement, dans le projet, comme le disait Guillaume, c'est de savoir effectivement d'où l'on vient, quelle est l'histoire effectivement, qui nous a emmenés effectivement, à faire de l'analyse aujourd'hui de cette façon-là, mais aussi qu'est-ce que l'on fait finalement, savoir ce que l'on fait, comment on se situe par rapport à d'autres types d'analyses. C'est vraiment passionnant. Eh bien, merci. Je voudrais vous... J'ai beaucoup de questions là, mais je crois que je vais résumer et faire un résumé et après ouvrir aux autres aussi. Mais par exemple, une question conceptuelle. À propos de l'idée de l'analyse. Vous pensez avec ce programme aussi, vous proposez des autres notions d'analyse, des autres idées d'analyse. Par exemple, l'idée d'analyse esthétique.
mais pourquoi pas analyse filmique ou analyse des films. Et par exemple, avec cette hypothèse des années, d'une tournée aux années 90, est-ce que après ça, il y aurait un autre nom à l'analyse? Je crois que vous êtes en avançant avec ça, avec cette idée. Oui, je ne peux pas vous prédire hein, encore, mais en tout cas, il y a un problème de terme. Là, on s'est accordé pour dire analyse esthétique, mais d'autres disent analyse filmique. Ça nous arrive hein, d'ailleurs aussi d'employer ce terme. Il n'y a rien d'officiel, à vrai dire. Et lorsque, dans un de nos séminaires, là, en juin dernier, c'est Jacques Aumont qui est intervenu. Il a commencé par dire voilà, que lui, il ne disait pas analyse esthétique du film, que ça ne lui semblait pas nécessaire de préciser ce terme esthétique, et qu'en disant analyse filmique, c'était induit. Quand on parle d'analyse filmique, selon lui, c'est forcément esthétique. Voilà. Alors nous, enfin, c'est un peu un signe, finalement, on insiste hein, sur ce caractère esthétique pour lever déjà une première ambiguïté, hein, ce qui, il en reste d'autres, mais c'est comme si on avait cette nécessité d'avoir cette estampille esthétique pour nous situer finalement dans un champ aussi de recherche. Ce qui nous aide, mine de rien, dès le premier corpus, dès le premier ensemble de textes sur lequel on est en train de travailler, hein, on disait bien qu'il y a les restes de la sémiologie, il y a la narratologie, etc. Et on verra si on le garde. Mais en tout cas, à ce moment-là, je pense, qui plus est, en ayant travaillé ensemble sur certains textes du début des années 80, là, je pense que le terme est très important, il est même capital, parce que c'est justement là-dessus, en tout cas, tel que nous, encore une fois, on analyse, ou en tout cas, on peut comprendre les choses, c'est là-dessus que ça se joue. La prise en compte, tu disais, du sensible, etc. Et à partir de cette prise en compte du sensible, tous les termes, d'un coup, qui vont apparaître, le fait de s'intéresser où il y a des motifs, à l'échelle de plan, etc. Et donc, on verra ce qu'on en fait pour la suite, mais effectivement, il me semblait justifié initialement au début du projet, mais il me semble encore plus important pour le moment sur lequel on est en train de travailler à l'heure actuelle. Oui, alors, c'est vrai que cette question un peu de terme, elle se pose, notamment pour savoir quelles sont les limites de l'analyse esthétique. Alors, comme aujourd'hui, on travaille sur les textes, des années 80, on a commencé par le début des années 80. Évidemment, ce qu'on a, c'est des textes qui ne sont pas esthétiques dans leur visée, dans leur ambition, mais où il y a un petit peu d'esthétique. Très souvent, on a ça, des textes qui sont dans la narratologie ou, qu'on disait peut-être théorique, où il y a un petit peu d'esthétique. Et donc, d'une certaine façon, on a l'impression qu'il peut y avoir de l'esthétique dans une analyse qui, elle, ne serait pas qualifiée globalement d'esthétique. Mais c'est certain que quand on travaillera sur la décennie 90, c'est sans doute la question inverse qui va se poser, puisque l'analyse même esthétique n'est pas du tout autarcique, elle fait toujours appel à des éléments, bien sûr, extérieurs, et donc on va pouvoir se demander si une analyse qui se dit esthétique l'est encore complètement quand elle fait appel à d'autres choses. Et puis, bien sûr, on va se confronter aussi à des analyses qui pourront constituer des analyses esthétiques, mais ne se diront plus esthétiques, et notamment, bien sûr, la question du figural. Qu'est-ce que le figural? Est-ce que ça fait partie de l'analyse esthétique? Est-ce que c'est tout à fait autre chose? Bon, ça, ce sont des questions qu'on va forcément rencontrer, des problèmes de termes qu'on va forcément avoir en face de nous quand on va avancer au fur et à mesure de nos lectures. Oui, il s'agissait également peut-être de nous situer dans le champ assez pluriel des analyses filmiques. Analyse filmique peut-être nous paraissait un peu trop générale. Je sais que dans votre symposium, par exemple, vous l'avez annoncé, vous allez parler notamment des gender studies ou des cultural studies, etc. Donc, il s'agissait aussi de nous situer par rapport justement à cette question-là. C'est pour ça qu'en précisant analyse esthétique du film, même si la définition est encore à voir, à étudier, un work in progress, exactement, comme j'ai dit tout à l'heure, effectivement.
et donc ce n'est pas encore totalement défini. Mais il s'agissait de mettre une première balise, une première pierre pour nous identifier, entre guillemets. Eh bien, merci. J'ai une autre question. Dans vos projets, dans votre projet au site du laboratoire, vous faites référence, par exemple, dans cette base de données, au matériel filmique, par exemple, les films d'analyse, mais je crois que ça nous montre des autres schémas. Mais qu'est-ce que vous en pensez à propos de ça, par exemple, les films d'analyse, les films, les matériels filmiques en général, comment ces matériels prennent part dans vos projets? En fait, on avoue que c'est un chantier qui nous intéresse, mais sur lequel on a moins de compétences. Et en fait, c'est quelque chose qu'on aimerait. Alors, on a un collègue qui est un peu spécialiste de ces questions, mais qui n'a pas pu. C'est aussi qu'il est pris par plein d'autres choses. Donc, en fait, on attend. On a envie de s'y intéresser. On pense effectivement. Déjà que, évidemment, c'est passionnant et qu'il y a effectivement des éléments de réflexion importants à dégager de ce type de réalisation, de film, qui vont venir évidemment télescoper, mais dans le bon sens, nos réflexions et qui vont venir les nourrir. Et donc, en fait, c'est la seule réponse qu'on veut donner, c'est on va s'y intéresser, on aimerait s'y intéresser, mais peut-être qu'il faudrait les compétences et je pense qu'on va. Alors, l'idée, c'est aussi évidemment, on est déjà 10, mais l'idée, c'est qu'on soit de plus en plus et qu'on ait de plus en plus de compétences et d'expertises différentes et du coup, à même aussi de travailler à partir de ces éléments-là. Parce que je sais que même de ce point de vue, c'est assez passionnant, évidemment, on a tous vu ça, hein, de voir aussi. Par exemple, ce que peuvent faire les étudiants. Nous, on a eu une résidence l'année dernière où une cinéaste était là à travailler avec les étudiants et à travailler sur des montages de films qu'ils aimaient. Justement, on voyait que derrière le montage, dans la pratique du montage, il y avait une vraie dimension analytique. Et on s'est dit, ah bah oui, évidemment, bon, on le savait déjà initialement, mais là, ça nous a confirmé dans le sens où, ah oui, il faut aussi se saisir de ce type d'objet. On ne le fait pas pour l'instant, mais évidemment, on a très, très envie de le faire. Merci, merci. Je vous ai demandé parce que j'aime beaucoup cette ère-là, ces genres de travail et d'analyse aussi. J'avais vu dans votre projet, mais je sais que vous avez déjà un grand monde pour faire. Après, si on veut s'en sortir, on est plusieurs à travailler sur Godard, et donc ça compte un peu quand même. Oui, c'est ça. Godard. Je pensais à Godard, c'est ça. Ça fait un peu de l'analyse. Et alors que vous avez parlé de Godard, je pensais aussi, par exemple, vous avez fait une référence à la Cinémathèque française, et je vois que et peut-être que vous aviez aussi des relations avec la cinémathèque de Grenoble aussi, je ne sais pas, mais comment est-ce que les cinémathèques ou la situation de voir un film, elle se connecte avec ce projet ou pas? C'est ça. Allez, là. Le lien pour l'instant avec les cinémathèques, il est plus sur ce qu'on appelle le non-film. Hein, c'est plutôt les fonds documentaires de revues, hein, et d'ouvrages. Donc c'est là pour l'instant que notre collaboration, c'est sur ce qu'on appelle le non-film, et pas sur la relation directe au film. Hein. Donc notre collaboration
jouent sur leur fond documentaire, hein, pour l'instant en tout cas. Mais vous pensiez à quel type de lien par rapport au film là ? Non, mais je pensais à ces deux possibilités. Ouais. C'est vrai, les matériels non filmiques, c'est ça. Et aussi, je pensais à la tradition française, par exemple, de Henri Langlois, et d'une formation du public, et qui a à voir quelque chose avec l'analyse, je crois. Oui. Par exemple, les premières possibilités d'analyse dans les cinéclubs, par exemple, je crois que ça, oui, c'est une manière. Oui, c'est ce qui nous intéresse aussi, hein, mais on ne s'est pas encore confronté à ça. C'est ce qu'on pourrait appeler même l'analyse parlée, c'est-à-dire la façon d'envisager les films en parlant, et comment parfois l'analyse peut avoir une place. Donc, voilà, si on repense par exemple à ce que pouvait dire Henri Langlois, peut-être que l'analyse avait déjà une place dans son discours, dans sa façon aussi de collecter les films. Voilà, mais ça, c'est encore une autre dimension. De toute façon, à partir du moment où on se dit qu'on veut essayer de suivre tous les types de discours sur l'analyse de films, ça peut prendre, hein, des formes très différentes, hein, parler, écrite, filmer, voilà, une question de support aussi très différent. Et on voudrait essayer de voir aussi tous les liens entre ces différents supports. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est très complexe, mais c'est pour ça que ça nous intéresse aussi. Fabien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va parler aussi? Allez, ah oui, c'était juste pour un micro-complément. Et effectivement, ce qui est assez passionnant, c'est qu'on cherche, on explore, on parcourt une histoire, et en fait, on se rend compte évidemment qu'il y a plein d'histoires en même temps. Effectivement, l'histoire de l'analyse esthétique du film, c'est l'histoire aussi de plein d'institutions. Fabienne en parlait en introduction, c'est aussi l'histoire de l'université, des études cinématographiques, etc. C'est aussi donc l'histoire de plein de courants différents. Et effectivement, alors idéalement, si on était à des centaines à participer au projet, il y aurait l'idée qu'on pourrait un peu, mais petit à petit, ce qu'on cherche à faire, mais penser une foule de ramifications. Et effectivement, toute cette histoire et aussi cette trajectoire qui vient, oui, des ciné-clubs, du commentaire avant, après la séance, effectivement, une figure comme Langlois, c'est qui on verra après, ou même chez des gens dont on va croiser les textes, par exemple, c'est quelqu'un comme Jean Arboni a été, le livre qui est juste à côté qui lui fait penser, mais a été a animé des ciné-clubs, a beaucoup écrit, etc. Et on sent bien qu'il y a quelque chose, hein, qui pense en même temps et qui a trait à ce que nous, on appellerait l'analyse. Et donc, effectivement, ouais, ça serait, enfin, c'est aussi passionnant de travailler là-dessus et possibilement, oui, sur, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et la parole et la façon dont la parole va développer de l'analyse sous des modalités assez différentes, assez particulières. Bon, ça, évidemment, ça peut entrer en compte avec ces objets un peu hybrides dont on va, que l'on va explorer aussi, qui sont des ouvrages, par exemple, qui sont des retranscriptions. Moi, j'ai travaillé, alors, il n'y avait pas grand-chose à en tirer, mais justement, on parlait de Godard, j'ai travaillé sur Introduction à une véritable histoire de cinéma. Et où on a la parole de Godard retranscrite, et il y a quelque chose évidemment de passionnant dans cette parole. Alors, une parole comme d'hab qui patine un peu, qui fait du surplace, puis qui avance un peu bizarrement. Et alors, il n'y avait pas grand-chose du côté de l'analyse vraiment, mais on sentait bien qu'il y avait aussi un autre rapport au film lui-même et un autre rapport même au terme, à l'utilisation des termes par cette médiation qu'est la parole, qui évidemment est à penser et à interroger aussi. C'est évidemment passionnant.
Merci. Et on voit que c'est un grand projet. Vous avez de la densité aussi du discours. Et à propos du film et à propos de l'analyse et des formes d'analyse, j'aime les Français à cause de ça. Et nous avons beaucoup de questions là. Je vais m'arrêter, je vais prendre les questions qui viennent de YouTube et interne des autres professeurs. Alors, je vais initier là. Il y a une question de Morgana Gama. Je vais lire. Elle est ici, dans notre chat, ici. Guillaume Soulé, auteur d'analyse rhétorique, a écrit, c'est une citation, « Le film n'est pas seulement un récit, c'est aussi un discours sur le monde continu. » Cette proposition peut être considérée comme une analyse esthétique. Que pensez-vous? C'est Fabienne la spécialiste. Oui, je vois bien ce qui est pointé là. Et justement, c'est pour ça qu'on essaye de voir toutes les tendances possibles de l'analyse esthétique, parce qu'on pourra avoir une idée un petit peu réduite de l'analyse esthétique qui serait la seule analyse qu'on a appelée immanente. Hein, et quand on l'interprète mal, d'ailleurs, cette immanence, on voit ça comme une analyse très fermée sur le film. Or, donc ça existe, d'ailleurs. Hein, mais il y a aussi des analyses qui donc, sont polarisées sur la matière du film, sur ses formes, mais qui essayent de voir aussi comment le film est traversé par le monde, on va dire. Hein, et donc, on peut être donc, dans la matière du film, mais tout en considérant donc, les apports culturels, hein, si tant est, quand le film est vraiment lié hein, à ces questions. Il est évident que ça peut être, le film peut être éclairé de l'extérieur. Hein, donc, c'est souvent le rapport entre intérieur et extérieur hein, qui revient très, très souvent. Donc, je vois ce que veut dire Guillaume Soulez. Hein, donc, ça, c'est parmi question centrale, ce rapport entre l'œuvre elle-même et son contexte aussi. Mais voilà, je pense, c'est pour ça qu'il n'y a pas de définition, en tout cas, de l'analyse esthétique hein, qui se réduirait à cette seule analyse interne. C'est un des aspects, hein, ça a été dans les années 80 et 90 assez pratiqué, puis remis en question. Mais ça, c'est des questions qu'on trouve aussi en histoire de l'art, qui sont bien plus anciennes, hein, même du début du XXe siècle, hein, où on parlait d'histoire interne ou externe de l'art, et qui sont déplacées en fait, dans le champ hein, des études cinématographiques. Voilà, je ne sais pas si ça... Une bonne question. Nous avons aussi des autres questions. Je vais vous poser une question qui a été formulée par Pedro Plaza, qui est un autre professeur qui était avec nous ici. Il a demandé comment est-ce que vous avez fait pour déterminer les dates au long de la recherche, par exemple, ça fonctionne de 10 en 10 ans, ça fonctionne comment pour définir les dates, par exemple, de transformation ou de chaque pas du projet mais en fait, ça, c'est des choses qui vont peut-être bouger, c'est-à-dire qu'on est parti, en tout cas, Le point de départ nous semble assez clair, même s'il peut être discuté, hein, on s'est attaché donc, à cette institutionnalisation hein, des études cinématographiques, voilà, à un ancrage universitaire. Hein, donc c'est 1969, hein, plus précisément. Ça ne veut pas dire que le cinéma n'était pas déjà présent à l'université, mais là,
c'est devenu beaucoup plus cadré avec des licences et ensuite voilà, d'autres types de diplômes jusqu'au doctorat, même si le doctorat n'était pas encore là au début. Donc voilà, c'est vraiment ce cadre institutionnel. Après, pourquoi travailler par décennies? Ça, c'est assez arbitraire de se dire, bon, là, on est sur les années 80, ça ne veut pas dire évidemment qu'à partir de 91, tout va basculer. Et cette périodisation, je pense qu'à posteriori, on reviendra sur ces espèces de bornes comme ça, arbitraires. Mais nous, en tout cas, c'est des décisions prises comme ça, a priori. Et les résultats de notre recherche fera qu'à posteriori, il y aura peut-être d'autres périodes dictées par les textes et pas par cette espèce de catégorie tout à fait discutable, certes. Merci, merci Fabienne. Et nous avons beaucoup de questions là. Vous pouvez donner aussi... un final aussi, mais nous avons beaucoup, beaucoup de questions. Il y a une, je vais faire deux, il y a une question de Luiz Otávio Gracinhancona qui vous demande à propos de la base de données, si elle est déjà accessible en ligne, comment, et quand est-ce que ça sera possible, c'est ça? Alors non, elle n'est pas encore disponible en ligne, tout simplement parce que on est encore en phase de test, et puis notamment de test un peu de l'aspect visuel, et puis parce que pour l'instant, on a commencé à la remplir, mais il y a peu de textes, donc elle fonctionne, mais elle ne donne pas un peu tout ce qu'elle peut donner, puisque la possibilité de faire des liens entre les différents textes, les différents films, etc., sera vraiment importante quand on aura mis un certain volume. Donc, en fait, on veut un petit peu attendre avant de la mettre en ligne, tout simplement pour attendre qu'on ait déjà mis sur cette base de données un nombre un petit peu conséquent de textes. Là, aujourd'hui, on en a un peu plus d'une dizaine. Vous voyez, ce n'est pas assez pour créer des liens par motif, thème. Mais comme on avance beaucoup, par ailleurs, sur nos lectures, normalement, dans le courant de l'année prochaine, on pourra rendre la base publique. Et à ce moment-là, on aura vraiment des dizaines et des dizaines de textes. Et donc, la dynamique un petit peu sera lancée. Mais on fera beaucoup de publicité autour de la base de données. Vous serez bien sûr au courant quand elle sera lancée. C'est vraiment, vraiment, vraiment. Je voudrais savoir aussi pour faire des recherches aussi. Toujours, il y a toujours des choses pour savoir. Et je sais que ça sera une base. Il y aura possiblement des possibilités de faire des recherches à partir des nombres des titres de films, des nombres des intellectuels et tout ça. Le fonctionnement de la base et comment on peut circuler et l'explorer pour l'utilisateur. Et comment Margarida Damati a une question aussi. Elle a mis ici dans notre chat interne. C'est ça. Dans les années 80, dans les années 70, la critique du cinéma mondial a eu une période privilégiée de discussion sur la politique. Et l'engagement fondé dans la psychanalyse, le marxisme et la sociologie. Le cinéma était aperçu comme un instrument de transformation sociale. Cette tendance existait-elle aussi dans le champ du cinéma français dans les années 90? Dans les années 80? Est-ce que vous voulez savoir si ça existe dans le champ de l'analyse de films, ce questionnement politique?
Oui, de l'analyse, c'est ça. Alors, c'est une bonne question aussi, parce qu'en fait, là, où se situe la question du politique ou de la politique, ce qui n'est pas la même chose, quand on parle d'analyse esthétique. Je pense qu'on peut voir une place de la politique, mais qui n'est pas une place frontale, hein, comme ça a pu l'être, hein, dans ces questions de critique, enfin dans tous les débats, par exemple, ne serait-ce qu'au cahier du cinéma. Je pense que la question, elle est déplacée et elle est peut-être plus sous-jacente en termes de positionnement. Voilà, donc ce n'est pas du tout sous la même forme. Hein, mais ce serait peut-être trop rapide de dire que l'analyse esthétique ne pose pas de questions politiques, mais il faudrait voir quel type de questions politiques elle pose. Donc, je ne sais pas si... Oui, c'est aussi dans la... Peut-être dans le rapport entre la théorie politique, la plupart du temps marxiste, et, ou la théorie psychanalytique, et l'objet film aussi que ça se joue. Nous, justement, on se pose des questions sur comment éclairer, donc, à partir des textes évidemment, comment éclairer un film en utilisant une référence extérieure, voire en utilisant des outils qui peuvent être ceux d'une autre discipline. Et là, évidemment, il y a des types de rencontres, hein, qui vont être celles où il va y avoir des croisements avec la politique, avec la psychanalyse, voire la sociologie, etc. Et encore une fois, alors on n'a pas de réponse catégorique, mais encore une fois, c'est dans ce qui se joue, dans le rapport au film, dans ce qu'on va chercher à explorer dans le film. Et s'il s'agit juste de, entre guillemets, hein, de confirmer certaines théories ou certaines questions en les illustrant, même en passant par de l'analyse, bon ben là, c'est un peu réducteur. Et du coup, on n'est pas vraiment dans quelque chose que nous, on appellerait de l'analyse esthétique. Mais si c'est dans un rapport plus souple, qui va entraîner effectivement des questions politiques branchées directement sur la forme, là, évidemment, c'est passionnant et ça permet de fécondation mutuelle comme ça entre la politique et l'esthétique, quoi. Oui, et puis du point de vue de l'histoire, hein, de l'analyse de film, c'est vrai que là, on a travaillé sur le début des années 80, et donc on observe, c'est vrai, d'une certaine façon, hein, une sorte d'évolution de ce point de vue-là, puisque on sent dans les textes qu'on veut se démarquer de la manière dont on parlait des films dans les années 70, et donc un peu, hein, de ces grands discours qu'ont pu servir de grille de lecture, hein, c'est-à-dire ben, le discours marxiste, le discours psychanalytique qui ont été mentionnés, et de manière générale, hein, les discours politiques. Donc on sent d'une certaine façon que dans ce début des années 80, hein, on cherche à se démarquer de ces discours comme grille de lecture, mais ça ne veut pas dire, hein, qu'au fond, les idées disparaissent, bon, notamment parce que souvent ce sont les mêmes auteurs, hein, qui ont écrit dans les années 70 ou enseigné dans les années 70, qui continuent à écrire, à enseigner dans les années 80 puis 90, et quand ce n'est pas les mêmes, c'est les gens qui ont, eux, tout simplement fait leurs études, hein, par exemple, dans ces années-là. Donc, au fond, tout ce qui a été pensé à un moment va quand même, hein, continuer à vivre un peu de manière sous-jacente, mais pas comme, disons, horizon. L'horizon n'est pas forcément politique, mais la question de la politique, hein, comme ces autres questions, elle est toujours là, hein, dans les années 80, et sans doute qu'elle sera, hein, toujours là au fur et à mesure, hein, des années. Oui, qu'il s'agit d'éviter dans les années 80, comme on l'a dit, d'imposer une grille de lecture unilatérale et une signification un peu massive, comme le disait Martial, effectivement, la politique sera effectivement là, mais d'une façon différente, peut-être plus problématique ou plus souterraine, mais pas de façon frontale et moins en utilisant, encore une fois, une grille de lecture unilatérale. Mais je crois que c'est parallèle avec aussi l'éloignement de l'approche aussi peut-être sémiologique, qui va de pair avec l'éloignement de la psychanalyse, etc. Merci une autre fois. Je crois que la question est pleinement répondue, Margarida. C'est bien?
Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si nous pouvons avancer pour finir le débat. Nous sommes ici il y a une heure, un bon débat. Après votre exposition, nous avons de faire un débat d'une heure. Je crois qu'on pourrait suivre le débat jusqu'à demain et peut-être dans un autre jour, dans autre, ouais, bien sûr. Autre conférence. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire avant de finir. Oui, moi, juste une chose. Donc, on travaille sur des textes français ou francophones. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas intéressés par les textes évidemment écrits dans d'autres pays ou d'autres langues. Donc, ce qui nous intéresserait, hein, au-delà même de collimateurs, je dirais, c'est évidemment de connaître les textes d'analyse écrits au Brésil, notamment. On a une méconnaissance, hein, de ces textes-là. Et donc, il y a des échanges, certainement, que nous pourrions faire, hein, sur cette question-là, même des questions de traduction aussi, des textes, aussi bien des textes français, hein, en brésilien ou en portugais, je ne sais pas ce qu'il faut dire, que inversement. Enfin, voilà, je trouve que ce travail, hein, de divulgation, hein, de l'analyse, il passe aussi, hein, par une connaissance de ce qui se fait évidemment ailleurs et de traduction. Hein, voilà, donc ça, c'est une question connexe, mais pas annexe. Voilà, qui nous intéresse bien. Voilà, c'est une autre histoire, peut-être. Voilà, donc je vais terminer peut-être là-dessus et surtout vous remercier de votre écoute, de vos questions qui, mine de rien, nous permettent, hein, voilà, de réfléchir. Hein, et voilà, donc on va continuer, nous aussi, à discuter après cet échange, et on espère se retrouver, voilà, bientôt en vrai, ce serait formidable. Et alors, merci à vous aussi. On vous remercie. Merci infiniment. Merci beaucoup. Vraiment, vraiment. Si vous voulez parler aussi, une dernière parole, vous parlez. Alors, merci, voilà, beaucoup. Merci. Ça a été un plaisir. Merci. Et nous, ça nous permet aussi, ouais, d'avoir un espace de réflexion sur notre propre projet avec vous. C'est encore plus intéressant et plus agréable. Donc, merci beaucoup. C'est à nous de vous remercier, parce que c'est quelque chose que je crois qu'il faut, il faut faire. C'est un projet, c'est une idée, c'est une forme d'abordage, une forme méthodologique aussi qui peut être transportée à des autres champs, des autres pays. Et vraiment, on a de l'intérêt. Et je crois que ces projets, il va permettre de proposer d'autres généalogies par exemple, de l'histoire du cinéma français, de la critique française, et aussi peut aider pour faire d'autres généalogies, d'autres critiques et d'autres histoires du cinéma aussi. Nous, ici au Brésil, nous avons des auteurs aussi qui ont des contacts avec la France, par exemple, Paulo Emílio Salles Gomes, qui a écrit aussi à propos du cinéma français. Mais il faut faire cette généalogie. Je crois qu'il nous faut un projet collimateur, par exemple, une transformation. Ah oui, bien sûr. C'est une franchise qu'on a exportée.
collimateur brésilien, mais à partir d'autres, d'autres points de contact. Mais une inspiration, c'est vraiment possible. Et donc, je crois que nous pouvons avancer vers la fin de notre débat et de la table collimateur. Je vous remercie une fois de plus pour votre ouverture au débat, votre présence pour nous exposer ce trajet jusqu'au moment du programme collimateur. Je crois que c'est un projet très important en termes d'une généalogie des transformations de l'analyse esthétique en France et que c'est une recherche d'intérêt au public français, mais aussi au public étranger intéressé par l'analyse esthétique, les Brésiliens aussi. Et donc, je vous souhaite une bonne chance avec le programme et je voudrais sûrement avoir des nouvelles à propos de ces projets et d'autres interventions. C'est ça. Merci, merci à vous merci tous. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Au revoir.